Capsule 1, QG Flores, autorisé à engager la descente vers la surface. Reçu, désengagement. Allumage des propulseurs auxiliaires. QG, nous pénétrons l'atmosphère dans 20 secondes. Initiez allumage, rotation et freinage. Premier allumage, moteur à 30%, rotation. Nous entrons moteur en premier, altitude 6 km en chute libre. Capsule 1, nous captons des interférences, passez en antenne directionnelle. QG, confirmez force du signal. Tout a l'air excellent, Capsule 1, procédez à l'atterrissage. Extinction des moteurs, Capsule 1 a atterri. Presque comme à la maison. Ouais, c'est ce qui m'inquiète. Alors, boss, on est prêt? T'as mon camion? Je veux des snipers à 3 et 6 heures, plusieurs défenses et une base d'opération établie dans l'heure. Au boulot! Gutman, venez ici. Vous connaissez bien les enjeux. Le Flores est déjà à moitié démonté et notre moteur part alimenter une ville d'un demi-million. Si ces abrutis d'Outriders touchent le gros lot, vous venez me voir en premier. Je suis là pour m'assurer que les procédures sont respectées. On n'est plus sur Terre, Shira. Les procédures, c'est démodé. Écoutez, Outriders. Je sais ce que vous vous dites. La maison, c'est fini. Et personne ne sait ce qui nous attend là-dehors. Mais l'océan n'approuvera pas l'atterrissage. Alors au boulot! QG de l'océan à Outrider Alpha, vous m'entendez? Ici le président. Saleté de parasite, le radar est aveugle. Impossible de localiser les sondes. Négatif, QG. Tout notre système fonctionne. On va établir un corps plus loin. Attends, je sais ce qui se plaît plus cher. Dégourdissent tes jambes. Je passe devant. Faudrait pas vous faire bouffer le premier jour. Relax, Outrider. Je serai pas là. Je serai à la maison sous un tas de cendres. Ok. En avant. Ouvre l'œil, tu prends l'arrière. Ah. Tu sens cet air un peu? J'arrive même plus à transformer un air qui sent autre chose qu'un carburateur fumant. L'air sur Terre ne me dérangeait pas. Je m'étais habitué. On s'habitue très bien à l'air frais aussi, crois-moi. Le truc, c'est que... aucun de nous n'a dû quitter la Terre. Culpabilité du survivant. Tu crois que les autres ne le ressentent pas? Pas seulement ça. Si le moteur du Caravelle n'avait pas explosé sur Terre, tué la plupart des vrais Outriders avec, il n'y aurait pas de mercenaires ici à leur place. Tu fais partie du groupe parce que tu ne recules devant rien. Camper ici, Outrider, mets un drapeau balise. Le QG saura que l'endroit est sûr. Ok, tout le monde, on a du pain sur la planche. Kusberg, Skarsted, établissez un périmètre. Je veux voir les premières fortifications dans l'heure. Jacob, tu vas tester les munitions. Gutman, active ton scanner rapidement. Qu'on mette la main sur ces sondes. Outrider, viens là. Hey! Quoi qu'il arrive, j'ai besoin de mon meilleur tireur sur le coup, au cas où ça foire. Je peux compter sur toi. J'attends vos ordres, capitaine.
Nos armes n'ont pas tiré depuis près d'un siècle. Va donc voir Jacob pour qu'il vérifie ton équipement et prépare-toi. On bouge dès qu'on aura localisé les sondes. Des questions ? Silence sur Terre, j'imagine. C'est vraiment fini ? Elle est morte, 15 ans après notre départ. Plus ou moins comme prévu. Le CA confirme qu'on ne reçoit rien depuis. Oh merde. J'ai grandi dans la misère, sans argent, rien. J'ai tout perdu, vraiment, bien avant la fin. Je me souciais pas vraiment de la fin du monde, je pensais même pas vivre au-delà de 20 ans, putain. Je sais pas pourquoi. Mais bon, j'ai survécu. Maintenant, je sais même pas ce que je suis censé foutre ici. Si tout va bien, le jour viendra où tu laisseras tout ça derrière. C'est un nouveau départ. Tu pourrais fonder une famille, te faire une piole, et vieillir tranquille. C'est pas moi, capitaine. Mon truc, c'est les armes, pas les gosses. Quelqu'un comme moi n'aura jamais sa place ici. Ça, c'était peut-être avant. Mais tu fais partie des élus. Tu construiras le futur. Ne te gâche pas. Vous en connaissez d'autres qui ont quitté la Terre, capitaine ? Mon frère. Presque. Mais non. Ils l'ont mis en cryostase quand on évacuait LA, en espérant arrêter l'hémorragie. Mais il était trop tard. Ah, merde. Désolé de l'apprendre. J'ai pas encore vraiment eu le temps d'y penser. Et Sarah, alors ? Elle va bien, non ? Ouais. Sarah est là-haut. Il réveille son groupe dans 6 mois seulement, mais je peux attendre. J'ai oublié de te dire, au fait, avec tout ce qui s'est passé, mais... Ma fille est enceinte. C'est pour ça qu'elle a pu venir. D'une pierre deux coups, alors. Voilà pourquoi vous pétez le feu depuis qu'on vous a réveillé. Ça suffit, Outrider. Oui, chef. Grand-père, chef. Je vais voir Jacob au champ de tir. Bien. On décolle dès qu'on retrouve les sondes, alors prépare-toi. Je peux t'aider, boss ? Ah, je connais ce regard. Qu'est-ce que tu penses de cet endroit, Jacob ? C'est parfait. Magnifique. Combien de temps avant qu'on recouvre tout de béton et de plastoc, à ton avis ? Ah, après tout ce temps, t'es toujours aussi cynique. Regarde-moi cette vallée. Je sais pas, boss. On a quand même pas mal de pression, là. On vient de laisser une planète morte derrière nous. Alors si on excelle là... Peut-être pas. Bon, c'est peut-être la bonne, ouais. On va peut-être pouvoir arrêter de dormir avec un flingue sous l'oreiller, sans s'inquiéter de savoir si on va crever de faim ou non. Crois-moi, boss. Je rêve qu'on y arrive, tu peux pas savoir. Mais... Les gens ne changent pas. Tu mises toujours sur le noir, hein. La maison gagne toujours. Ce dernier jour s'était tendu. J'ai cru à un moment qu'on allait tous y passer. On risque souvent nos vies. T'arrêtes pas d'y penser, toi aussi, hein. Je sais. C'est fou. C'était il y a 80 ans. Comme si c'était hier. J'ai encore des petites douleurs et les oreilles qui sifflent à cause des coups de feu. Faut dire qu'ils étaient des milliers. À se grimper les uns sur les autres, massacrant tous ceux qui se trouvaient sur leur passage, pour faire tomber la rampe de lancement et défoncer les portes de la navette. J'en ai fait des champs de bataille, mais ça, c'était l'anarchie. Écoute, c'était nous qui partions de la planète, ou eux. On a fait ce qu'on avait à faire. On fait ce qu'on a à faire. On s'aide les uns les autres. Ça, ouais, pas le choix. T'es la seule personne en vie que je connaisse, à part le capitaine et Cuthbert. Ouais. Je suis surtout le seul en vie qui mérite d'être connu. Je suis content que t'aies pu embarquer, salopard. Moi aussi. J'ai du matos à tester.
Un peu d'entraînement aux cibles, boss, hein? C'est parti. Ouh, ça me plaît, ça. Ouais, un nouveau joujou, boss. Et c'est toi qui vas le tester. Tu penses que tu peux défoncer un tank? Ça fait du bien, hein? Tu peux essayer ton arme de poing maintenant. Ça va, arrête de trimer. Pas trop perdu. Outrider, demande à notre agent de l'ECA si Shira a trouvé des sondes. Oh mon Dieu, c'est superbe. Ah, si tu avais vu ça, papa. Hé, hey, vous êtes Shira, c'est ça? Excusez-moi, cette planète, j'en reviens pas. C'est très beau. Ah, on aimerait avoir Internet pour partager tout ça. C'est dans un but scientifique. Et puis, on aura un Internet qui fonctionne dans les 6 premiers mois. On est parti avec une sauvegarde. Je vous taquine, Shira. Des nouvelles de la sonde? On est en train de scanner. Je sais pas ce que je peux faire de plus, c'est que... Comment les signaux des sondes ont pu disparaître? Ouais, ce serait pas à cause d'interférences ou un truc comme ça. De l'espace, peut-être, mais pas d'ici. En tout cas, les premiers résultats étaient bons. On respire. Oui, mais pour que l'ECA autorise un 500 000 de personnes à atterrir, il nous faut les données des sondes pour savoir si c'est faisable. Et si ça ne l'est pas? L'ECA a un plan B. Et si on parlait plutôt du paysage? Comment se passe la colonisation? Vous planifiez tout ça, non? Oui. On a commencé à démonter le moteur. C'est la première pièce à descendre. Le noyau nucléaire devrait fournir suffisamment de puissance pour lancer la suite. Et quand ferez-vous descendre les capsules des civils? Quelques semaines après, si tout va bien. D'abord, juste assez de monde et de ressources pour pouvoir lancer l'infrastructure. Eau, nourriture et logement. Ensuite, on sort les autres de leur sommeil, milliers par milliers, pour éviter les pénuries. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un jour nous vivions tous dans une belle grande ville. Et pendant ce temps, le Flores, il va rester là-haut? Il a été construit en orbite. Il ne peut pas atterrir. Nous allons le garder là-haut jusqu'à ce que nous puissions voler à nouveau. Un jour, peut-être. Bon, je veux la vérité. Le plan de l'ECA est solide, selon vous? Mon père faisait partie de l'équipe qui a conçu ce plan. Je l'ai toujours connu travaillant sur ce projet. La plus grande entreprise de toute l'humanité. Ah, c'est comme ça que vous êtes là, alors. Pistonné par papa. Non. J'ai étudié l'ingénierie. Vécu en orbite. Conçu la structure. Vissé des rivets dans la coque. J'ai construit ce vaisseau. Donc vous méritez tout ça. Tant mieux pour vous. Non. C'était mon père. Mais pas comme vous le pensez. Il s'est sacrifié. Pour moi. Il est resté. Merde, je... Désolé. Il aurait vraiment été fou de voir tout ça. Mais au final, c'est moi sale. C'est bizarre de ne connaître personne ici. Quand tout sera fini, passez donc nous voir. On n'est pas si méchants.
Pourquoi pas, j'ai rien à perdre. Hé, c'est censé clignoter comme ça? Oh, mais c'est une sonde. Tanner, je crois qu'on a un signal, tout prêt. Excellent, Outrider. Va vite me trouver cette merde, qu'on puisse atterrir. Bien reçu. Hé, c'est un moment historique. Il faut le documenter. Dans un but scientifique, bien sûr. Toutes les unités, restez vigilants. Gardez le périmètre et ne tirez pas tant qu'on ne sait pas ce que c'est. Waouh, je vois des... genre de... bennes croisées avec une vache. Ouais, je les vois là aussi. Il y en a tout un troupeau. On ne sait pas si la faune locale est végétarienne ici. Herbivores. On appelle ça des herbivores. C'est pareil. Ils ont une sale tronche en tout cas. Non, ils sont superbes. Je suis sûr qu'on peut les domestiquer pour l'agriculture. Je suis sûr qu'ils sont délicieux une fois dans l'assiette. Il y a quand même une des hyènes bizarre qui fait bronzette sur le chemin. Vous pouvez peut-être prélever de l'ADN si vous vous approchez. C'est pas vraiment la priorité, mais j'essaierai si je peux m'approcher. Ah, raté. C'est enfui. Mais j'ai sécurisé l'objectif. Fantastique. Je vois une tempête se former au loin. J'ai trouvé la sonde. Elle a pris un bon choc, mais les données ont l'air intactes. Bien reçu. Je transmets au QG. Bon travail, Outrider. Attendez. Tanner, je capte un deuxième signal. Mais il y a quelque chose de bizarre. Bizarre ? La tonalité monte et descend. Elle devrait être stable, c'est étrange. Outrider Alpha à QG. Attendez avant de donner le feu vert. On a une autre sonde à analyser dans le coin. Négatif, Alpha. Votre travail est terminé. Bon sang. Écoutez, Maxwell. On peut pas se permettre la moindre erreur. Donnez-nous du temps. Du temps ? On va pas rater notre fenêtre orbitale. On a les données, j'envoie le feu vert. Continuez à chercher si vous voulez, je me fiche de ce que vous trouverez. Terminé. Outrider, rendez-vous au convoi. On va traquer ce signal et voir où ça nous mène. Cuthbert, du nouveau ? Le signal de la sonde est faible, mais j'ai trouvé la source. Là-bas. J'espère que vous avez amené vos bottes. Jacob, autre planète, même merde. Ochivice. L'électronique répond plus. Les camions sont HS, on continue à pied. Soldat, ta mission première, c'est Shira, tu comprends? Allez en avant, ouvrez l'œil! T'as avalé ta salive de travers ? Non, ça va, c'est rien. Putain. Ramenez-le au vaisseau, prévenez les médecins ! Qu'est-ce qui se passe ? Recule, recule ! Merde, fais chier. –
Tanner. Je vois la sonde. J'ai du mouvement. Je vais voir. QGECA. On a un potentiel danger biologique. Demande de procédure de quarantaine à la base. Merde, Tanner! Je croyais vous avoir dit de pas foirer ce... Ma réputation en jeu avec cet atterrissage, et vous n'avez aucun... Maxwell? Merde. Unité 2. Hé, hey, boss, quoi de neuf? Je récupère notre sonde perdue. Et Skarsted? Il a une sale gueule. On sait ce que c'est, cette merde noire. Un genre de saprobionte ou de mycélium. Il faut prêter des échantillons. Ok, tu veux jouer ? Viens là. Capitaine, j'ai été attaqué par une de ces hyènes vaches. Un truc l'a rendu folle, j'ai dû l'abattre. Faites gaffe. Bien reçu, Outrider. Trouvez vite la sonde, on n'a plus le temps. Tanner, je l'ai trouvé. Bien joué. Prends les disques et tire-toi vite. Attendez. C'est seulement un relais. Tanner. En fait, le signal ne part pas de la sonde. Ça vient d'ailleurs sur la planète, de plus loin que notre zone de recherche. C'est impossible. Il n'y a personne d'autre. Prends le disque dur, on analysera tout ça à la base. Compris. Merde! Tanner, les circuits ont grillé. Donne-nous la fréquence. La fréquence capsule est 9, 7, point... Tanner, vous me recevez? Oh merde. Tanner! Tanner? Tanner? Je commence à voir des trucs vraiment bizarres ici. –
boulevard. Des blessés graves, contamination possible. Préparez une quarantaine à la base. Vous me recevez ? Putain. Maxwell, qu'est-ce que c'est que ça ? À votre avis ? Sergent-major, chef, nous devons suivre la procédure de quarantaine et repousser l'atterrissage. Tous les rapports qu'on nous avait faits sur cette planète, ils étaient faux. Il y a une espèce d'anomalie. Si on atterrit maintenant, tout le monde mourra. L'atterrissage se fera comme prévu, c'est trop tard maintenant. On n'a nulle part où aller. Tanner, ici, il nous faut de l'aide. Faut des médecins. Soignez-les. Vite! Non, arrêtez! Ils sont contaminés. On les enferme. C'est un ordre. Vous êtes vraiment une belle raclure. Ouvrez les yeux! Ces hommes et ces femmes ont besoin d'une assistance médicale. Alors bougez-vous le fion et faites le bon choix, ou alors je vais être obligé... Non! Contenez-les. Immédiatement. Et brûlez-moi tous ces putains de corps! Maxwell, il a pété les plombs. Je m'occupe des blessés. Repoussez-les. Jacob, couvre-moi. Je vais chercher Maxwell. Compris. Outrider, percez vos armes, c'est en ordre. C'est ça. Commencez par rappeler vos spies. Sergent-major, la colonisation est trop risquée. Il faut prévenir le Flores. C'est vous, les Outriders, qui avez causé cette menace, mis en danger la mission. Conne. Maxwell a créé un blocus. Il va tout incendier. Pourquoi ? Il veut raconter sa version des faits. Comment les Outriders sont tout fait capoter ? Il doit mourir. Maxwell est le seul qui puisse arrêter l'atterrissage. Vous devez lui faire retrouver la raison. Arrêtez vos conneries! Appelez-les maintenant! Repoussez ce putain d'atterrissage! C'est trop tard! Et vous! Aidez-moi avec les blessés! Vous les ramenez au labo! Par ici! Allez, bougez-vous! Attendez. Foutez-les en quarantaine! On est presque. Brouillez-vous! Ça va aller. J'en ai rien à foutre de tes problèmes perso. Qu'est-ce que vous faites? Je vous remets en cryostase en attendant que le labo puisse vous sauver. Dites pas n'importe quoi, je vais mourir! Je suis désolé, le réconfort, c'est pas mon truc. Quand les choses se terminent-elles vraiment? Était-ce quand vous êtes parti de la Terre? Était-ce quand vous avez vu le premier vaisseau exploser et brûler?
Était-ce en voyant les autres Outriders tomber à vos pieds? Était-ce de vous voir mourir? Mais Enoch vous réserve des surprises, Outrider. Comme je dis toujours, il faut attendre pour connaître la fin. Vous, de quelle année êtes-vous? Année, quelle année? Quoi? C'est votre capsule? Montez les nœuds de liaison. Venez, Doc. Il faut y aller, ils arrivent. On ne peut pas les laisser là. Ce sont des Outriders. C'est pas pour eux qu'on est là. Mais... désolé. Espèce est pas morte. Morte? Détache-moi, tu vas voir. L'anomalie arrive. On va voir si t'as de bonnes jambes. Dans les tranchées, avec les autres. Je suis où, bordel? Ferme ta putain de gueule! Psst! Hé, hey, soldat! T'es de l'OCA aussi! Quand on sera dans les tranchées, il faut qu'on reste ensemble si on veut survivre, ok? Survivre à quoi? À la tempête qui va nous griller le cul! Hé, hey, vous deux! Je vous ai dit de fermer vos gueules! On y est, allez! Reculez, reculez! Qu'est-ce qui se passe encore? Ils ont un altéré! Ils massacrent nos gars! Cassez-vous d'ici! La tempête arrive! L'altéré s'en fout de la tempête! Merde, merde! Passe par l'arrière, par la prison! Ça va être très chaud! On va rester ici, est-ce que vous voler la vedette au capitaine? T'es pas bien dans ta tête! Attention! Je vois rien! Putain, mais... il était blessé! Ouais, c'est mieux comme ça! Il frappe plus chier! Voilà. Go, go, go! Combien? Ça fait combien de temps? Quoi? Cette guerre, ça fait combien de temps? Qui sait? Je m'en fous, j'étais pas né! Mais c'est pas possible, putain! Allez, ouvrez cette putain de porte! Bougez-vous! Tenez bon, on y est presque! Presque où? Vous nous emmenez où, là? Je suis pas censé... C'est quoi ton problème, bordel? Tu viens de te réveiller ou quoi? Cryostase... je... Eh ben, je vais te débriefer, tu vas voir! Ce paradis que vous nous aviez promis, tu sais ce qu'on a eu, Pluto? Des putains de tempêtes aliens! Pas d'abri, pas de bouffe! Virés comme des exilés! Pendant que le CA s'engraissait de leur bunker! C'est des conneries! On avait juste plus d'électronique! On aurait pu vous laisser pourrir dans vos capsules! Mais on l'a pas fait! On vous a sauvé, sale bâtard! Combien de fois je t'ai dit de la boucler, bordel? C'est ouvert! Touchez-vous bien le nez! Bienvenue dans la vallée de la mort! Oula! Prépare-toi pour les tranchées!
putain de merde. Oh merde. Faut que je sorte d'ici. Et il faut que je traverse ce putain de bourbier. Je sais pas ce qui se passe, mais je suis pas du bon côté. Qu'est-ce que... Merde. Vous êtes qui, vous? Ok, on tire, on discute après, compris? Putain. J'ai senti la tempête dans ton sang. Tu en pèses, Tenok. Ton genre est une abomination, exilé. Mais vous êtes qui, bordel? Outrider. Impossible. Tout ce potentiel, cette confusion, tu cherches des réponses. Quoi que tu fus avant, tu as évolué. Une seconde vie. Ne cache pas ça. Qui c'était? Le Seigneur Seth. Qui c'était? C'est un altéré. Je ne suis qu'un simple homme. Un simple homme. Altéré? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Tu ne sais pas? Tu l'as piqué où, cet uniforme? Nulle part, c'est le mien. Ouais. Si tu fais partie des Outriders, alors tu combats pas dans le bon coin. De quoi tu parles à la fin? Le grand marshal, elle t'expliquera. Viens. Où elle est? Là. Là. Qu'est-ce que c'est? Vas-y. Faites ce que vous avez à faire, lieutenant. Shira? Vous êtes en vie. Désolé de vous décevoir. Vous venez de chez eux. Vous avez des infos pour nous?
Vous vous foutez de ma gueule. Bon, j'ai une guerre à gagner. Alors soit vous m'aidez, soit vous retournez dormir. Attendez. Je viens de me réveiller dans la boue et la merde, je dors depuis je sais pas combien de temps. 31 ans. Et ça fait 31 ans que je vois des gens combattre et mourir pendant que vous étiez en cryostase. Alors excusez-moi si l'accueil est un peu froid. Qu'est-ce qui vous est arrivé? L'anomalie. Voilà ce qui s'est passé. Ah, la tempête. On leur avait dit de pas atterrir. Toute notre électronique a complètement grillé. Toutes nos données effacées. Pas d'agriculture, pas de médicaments, pas plus avancé que lorsqu'on a quitté la Terre. Sauf qu'on s'entretuait pour savoir qui aurait les restes. Pourquoi ne pas être allé autre part? Les Outriders seraient... Les Outriders sont morts! Quoi? L'anomalie nous bloque dans cette putain de vallée. On n'a nulle part où aller. Vous comprenez pas, hein? Vous croyez rêver? C'est réel. Croyez-moi, c'est bien réel. Alors c'est con, vous êtes coincés ici dans la boue et la merde, comme tout le monde. Fallait pas vous réveiller. Quoi? Et rater cette belle fête? Grand Marshal, on est arrivé trop tard. Les malades courus, ils l'ont emmené sous terre. Alors, ramenez-le. C'est peut-être dans notre camp, mais c'est leur territoire, madame. Je vais pas perdre mes corps pour Jacob. Jacob? Il est vivant? Plus pour longtemps, on dirait. Alors je vais le chercher. Madame? Madame? Laissez tomber. Je m'en occupe. Shira, je suis équipé et je suis en train de localiser Jacob. C'est qui alors, ces salopards? Des malfrats, dealers de drogue et esclavagistes. Ils se font appeler les Molosses. Les insurgés, moi, personne ne les regrettera si vous les refroidissez. Pourquoi ne pas les avoir mis hors d'état de nuire plus tôt? Honnêtement, parce que nos hommes aiment trop leur marché noir. Et parce qu'ils ne bouffent pas leurs propres gosses, au moins, comme les insurgés. Ouais, j'en ai croisé quelques-uns. Ayez pitié! Non! Je cherche Jacob Dabrowski. Volcan. Écoute, enflure. T'as un flingue pointé droit sur ton... C'est ça, vas-y. Hey! Wow. Désolé, les filles. Je croyais que c'était les chiottes. Ça va? Tout était sous contrôle. Ça fait un bail. On se connaît? Je te croyais clamsé. C'est toi qui vas clamsé si tu rentres pas voir Shira Fissa. Ah, Shira. Ok. Retrouve-moi là-bas quand t'as fini. Non, il le fera pas. Parce que l'enfoiré peut faire tout ce qu'il veut. Eh. Vous savez que ça fait plaisir de revoir des trônes connus. T'as pas pris une ride, toi. Et toi, t'as vieilli, mon ami. Dans le couloir, c'était Seth. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il ignorait nos suppliques. Je le croyais de votre côté.
Seth, il est du côté de personne. Il y a des altérés parmi les insurgés. C'est un vrai cauchemar. Heureusement que Seth est par là pour les repousser des fois, mais uniquement quand monsieur décide que ça lui va. Putain de merde. La situation est catastrophique, Outrider. On pensait avoir échappé à l'apocalypse. On pensait pouvoir recommencer ici. Mais on avait tort. J'ai eu tort. Shira... Vous savez pourquoi c'est moi qui commande? Parce que je suis le dernier officier vivant. Les insurgés sont là, dehors. Ils sont sauvages, sadiques, et ils nous encerclent. On manque de nourriture, de munitions. Et si cet arrêt nous tue pas, eh bien ce sera la planète. Bienvenue. Le champignon dans la forêt. On sait toujours rien. Les montagnes remplies d'abominations. Les tempêtes d'anomalies grossissent chaque année. On n'a plus beaucoup de temps. Si on n'arrive pas à sortir de cette vallée, si on n'arrive pas à un miracle, ce dernier bout d'humanité est fini. Shira. Ah ouais, voyez-vous ça? Je peux faire des choses maintenant. Je ne comprends pas encore, mais peut-être qu'il y a une raison. Vous êtes... Je comprends pourquoi je vous ai sauvé la vie il y a si longtemps. Ça ne doit pas vraiment être ce que vous aviez en tête. Je vais pas me plaindre. Mais je ne comprends pas. Quand on a atterri, cette tempête a déchiré Cuthbert, mais pas moi. Pourquoi? Pourquoi j'ai été... Altéré? Personne ne le sait. Quand les tempêtes frappent, certains sont démembrés, d'autres volent en confettis, et peu y survivent. Putain d'immortel. L'anomalie n'a absolument aucun sens. Elle détraque les lois naturelles et fait muter tout ce qu'elle touche. Au début, les scientifiques de l'ECA voulaient comprendre les tempêtes, les dompter. Eh bien, ils sont tous morts. Boss, on dirait que t'as eu du bol. Ou peut-être pas. Tout ce qui m'importe, c'est que vous soyez avec nous. Notre ravitaillement est bloqué par un altéré qu'on ne peut toucher. Près de la vieille centrale solaire. Seth n'a aucun intérêt à nous aider, mais... Vous êtes là. Allez, pourquoi pas? Si je peux faire gagner un jour à l'humanité... Lieutenant, c'était quoi encore? La première ligne s'est effondrée! Un tremblement de terre ou... Je crois qu'on a perdu toutes nos défenses avancées! J'arrive. Go, go, go! Hey! Au cas où j'ai plus l'occasion, je t'ai cherché partout. Mais c'est parti en couille, on n'avait pas le temps, j'étais... Oublie ça. Je suis vivant. J'aurais pu crever 10 fois facile sans Tanner, sans Shira. Maintenant, c'est à moi de rembourser les dettes, Jacob. Boss... Ouais, tu m'as manqué. Ça fait du bien de te revoir. Va botter le cul de ce putain d'altéré. Qu'on puisse enfin revenir dans cette putain de guerre. Faites attention, Outrider. C'est chaud dehors. Je verrai ce que je peux faire. Par contre, Shira... J'ai toujours 30 ans de questions à vous poser. Venez me les poser si vous revenez en un seul morceau. Mais je ne sais pas si j'aurai toutes les réponses. Qu'est-ce qui s'est passé? Les insurgés ont creusé sous mes troupes et ont fait sauter toute la première ligne. Ouvrez la route de ravitaillement ou on est foutus. Thank you.
premier. Je suis à la centrale solaire, je vais voir. Qu'est-ce que tu vois ? Des espèces d'étincelles électriques dans tous les sens. Tu te rapproches ? Oh, je t'avais pas dit ? C'est altéré, c'est une putain de centrale électrique ambulante. Tu veux dire qu'il allume des ampoules ? Ouais, plutôt qu'il grille tout à un kilomètre à la ronde. Je sais que t'es capable de t'occuper de ton cul, mais... ce salopard est d'un tout autre niveau. Ça tombe bien. Moi aussi, depuis peu. Thank you.
Alors, Outrider, tu as enfin tué. Nous autres altérés ne mourrons pas facilement, n'est-ce pas? Seth. Viens. Nous devons parler. Ils t'ont demandé de les aider. Pour combattre l'altéré en bas. Pourquoi refuser? Cette monstruosité pathétique était une distraction. Les gens sont morts à cause de lui. Sans cette route de ravitaillement... Ils meurent tous. Ces faibles créatures. Qui s'entretuent pour avoir les restes. Tu gâches tes dons. À faire leur course. Pour gagner leur guerre sans fin et sans but. Tu dois bien réaliser que tu n'es plus comme eux. Et alors? Je devrais jouer les dieux comme toi. Moi, je ne joue pas. Mais tu es encore plus altéré et Outrider. L'ultime Outrider, accomplis ce pourquoi tu es ici. Va, au-delà de la frontière. Ces gens ont besoin de leurs dieux. Il n'y a que toi qui puisse leur donner un futur. Pourquoi pas toi? On l'appelle Moloch. Je mène un combat bien plus grand que cette guerre ridicule. Contre le pire de notre espèce. Il est bien trop puissant. Il nous détruirait tous, à moins que je le trouve. Mais... ce n'est pas ton combat. Tu dois les guider. Tu dois les aider à sortir de ce massacre, Outrider. Shira, c'est bon. J'ai ouvert la ligne. Je rentre à la maison.